insécurité qui a embrassé le pays. Parce que nous, quand nous venons dire, le problème de sécurité nous vient là, nous sommes dans un niveau extrême, côté que la police nous vient là, il faille à l'occupation, la police l'a fait des cartes, et nous-mêmes, nous pouvons profiter de l'occasion ça, pour nous venir dire population, pour nous venir dire société civile, pour nous venir dire la presse qui sont gros bois dans la bataille pour faire la démocratie avancer dans le pays. Pour nous dire, pas de route, pas bois. Nous ne pouvons pas complice, c'est pas pour sans raison que faire le dit, la prône depuis des semaines pour une assistance technique que l'autorité nous ont continué à demander l'ONU juste pour permettre que dans le prochain jour, pour venir en Haïti pour travailler avec la police là, qui est déjà crasée. Parce que nous-mêmes, nous croyons que en matière de sécurité, la police n'a aucun pays pas bail de sécurité. La police a un plan global qui construit pour sécurité. Et dans le plan global, ça, il y a la police, il y a des CPJ, il y a des CSPJ, même gens avec nous dans la caille. Et bien dans le dernier jour, ça, nous voyons. Flag maintenant c'est ça qui passe dans Delma 75 ans. Côté la police a cherché des bandits. Pendant ce temps, il y a des policiers, des amis qui étaient là tous pour collaborer ensemble avec les bandits. Ça. Et bien nous maintenant nous ne sommes pas complices, nous croyons que moment extrêmement fragile, moment difficile. À part de braquage, nous capables de faire dans le pays. À part de monde, nous capables de dire oui. À part de gang à gang qui bataille pour le territoire. Mais je ne veux dire, nous voyons que le problème territoire, il touche la population parce que nous avons un problème carburant qui dépasse nous et le problème carburant, sa autorité nous dit pas l'autre bataille qui cause. C'est parce que l'espace pour machine à grand gazo, monsieur Arméo est occupé et monsieur Arméo n'a pas décidé d'ouvrir la voie pour le camion sa côté gaz. Tout ça vient augmenter encore une fois sous misère population qui est déjà rendu des moments difficiles. C'est peut-être ça que nous ne pouvons pas nous prendre la voix au chapitre pour nous dire tout le monde dans la société civile là. Faites tout ça possible pour faire plaidoyer pour permettre que nous convainquions l'ONU sur assistance technique parce que nous signons des traités internationaux avec l'ONU sur sécurité. Nous pensons que c'est pour faire l'ONU après nous si nous avons là pour nous résoudre et nous résoudre le problème de sécurité. Parce que nous disons déjà la police n'a pas de confiance. La police a manqué de formation, la police a manqué de professionnalisation, la police a manqué d'équipement, la police a gagné trop ramification entre lui même avec gang yo, population perdue dans la police là. Je dis à souvent des populations, si on va la vivre dans la calle, est-ce qu'il va dans le commissariat ou sinon est-ce qu'il va dans la presse, la population a poussé dans la presse. Deuxièmement, nous profitons de l'occasion encore pour renouveler. Appel nous a toujours fait concernant ce qui passé dans la nuit 6-7 juillet 2021. Nous connaissons 6-7 juillet 2021. Ça qui arrive, son action crapuleuse, côté où arrive à assassiner un président de l'Académie. Un président qui n'est pas seulement un citoyen, mais qui c'était un président en fonction. Que nous dit mandat de bout, que nous dit mandat de bout, mais de fait, il était un président qui a dirigé, de fait, c'est l'été qui est comme un pays. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous ne sommes pas complices. Nous avons encouragé toute personnalité, toute organisation qui croit que servir pour lumière fait son enquête, ça, faut que. Et demander l'ONU pour venir avec une enquête internationale pour venir statuer sur crime ça. Parce que nous-mêmes, nous croyons que ça qui veut, si pas de rien fait pour lui, si ça qui veut Jovenel Moïse là, pas de lumière côté sous lui, pas de justice qui fait sous lui, eh bien, quel que soit le président qui a été élu dans la nouvelle élection pour la lumière là, depuis qu'il vient parler à lui-même, soit capable, parce que le précédent, et précédent, ça faut qu'on connaisse qui s'est passé. Crime ça, son crime transnational qui fabriqué par des étrangers ensemble avec des Haïtiens, qui fait dans des sols étrangers, nous-mêmes nous ne pas complices, nous pensons que c'est nécessaire, c'est important, c'est dépasser même justice pour Jovenel Moïse, qui sont personnalités, même avec tout le peuple qui est victime, mais aller au-delà des frontières pays d'Haïti avec de l'autre monde. Nous pensons que la question de souveraineté, nationalité, il faut que nous posions le crime, ça, parce que Haïti, ce soit le souverain, ce soit le pas souverain. Et dans l'optique, ça, tout, nous avons tout profité de l'occasion, ça, pour nous faire appel avec la communauté internationale. Pour nous dire communauté internationale, là, ils sont au courant de tout ce qui a passé dans le pays à la première sécurité. Si vous ne faites pas rien, si vous ne pas aider nous avec ce qui a passé là, c'est soit vous voulez Haïti tout nous même. C'est peut-être ça nous écrit, nous écrit Bini, nous écrit pour groupe, nous demandons assise, nous demandons rencontre pour nous parler ensemble avec eux. Sur ça, nous-mêmes nous comprenons en tant que groupe dans la société civile. Là. Depuis quelque temps, il y a un rapport qui a circulé de CPJ Mette dehors, de quelques organisations de droits humains qui parlent d'eux. Tu as des liens, tu as un appel entre le Premier ministre avec Félix Badiou, qui est un monde qui a recherché. Eh bien, nous-mêmes, nous prenons le temps pour chercher une information, pour nous garder la véracité, encore pour nous réagir sur lui. Mais nous-mêmes, nous avons une position par nous en tant que nous ne pouvons pas comprendre ce qui passé dans le rapport. Nous-mêmes, nous croyons, nous avons annoncé par le Premier ministre, Ariel Henry. Nous avons dit à Ariel Henry, il faut faire tout ce possible pour faciliter l'enquête, ça aboutit pour la population, pour la presse. Pour tout pays à connaître qui s'attend à parler le jour même le président finit mourir, même avec Badiou. Parce que sinon, si le Premier ministre continue à
faire des diversations, à minimiser ce qui passe, nous ne pouvons pas prendre l'autre choix pour demander démission. Parce que nous croyons que son président de la République qui mourit, qui est en fonction, c'est pour chien, c'est pour bête, même si c'est dans le monde qui mérite respect. Si le premier ministre connaît, il ne peut pas dans ce qu'il a fait là, la permettre qu'il ouvre la voie, il ouvre la voie pour permettre que la justice continue. Des lumières sur ce qui passe, parce que nous-mêmes, en tant que société civile, la presse, société en général, diaspora, nous connaissons ce qui passe dans la nuit 6 ou 7 juillet ce passé-là. Et nous avons annoncé pour nous dire, Premier ministre, attention. Crise qui est là, c'est une crise pluridimensionnelle. Pas de aucun secteur qui a une légitimité dans la crise où elle est là. Il est bien compté, mal calculé. S'il pense que un groupe dans la politique là, qui a soutenu, il n'a pas besoin. Aspect tout l'autre groupe, il n'y a pas besoin de conseil tout l'autre groupe, il n'y a pas besoin de chita avec tout l'autre groupe. Parce qu'elle pourrait déjà avoir une légitimité, on a dit que le ministre est trompé. Parce que le ministre de Bilvina, il a une absence de légitimité, il a une absence d'autorité, il a une absence de leadership. Et ça, on ne peut pas diriger ensemble avec lui, on ne peut pas changer directeur général avec lui, on ne peut pas changer consul, ambassadeur avec lui, on ne peut pas changer ministre ensemble avec lui. Donc, il faut qu'il y ait un consensus qui vous permette que le pays a sorti dans la crise hier. Depuis quelque temps, il y a des gens qui ont posé nos questions. Qui côté nous pas complices dans différents rapports, dans différentes propositions qu'a fait le pays? Nous pas complices officiellement, pas fait partie d'aucun accord qui signe, quel que soit groupe, quel que soit accord Montana, marché pour la vie, quel que soit PEN, quel que soit l'autre groupe encore. Nous-mêmes, nous pas complices, nous quoi que? Seule entité, nous qui plus ou moins t'a proposé société à une démarche consensus. C'est un marché pour la vie. Et marché pour la vie, nous parlons avec Gédéon déjà, il n'y a pas de consensuel. Si vous n'avez pas inclus, M. Jovenel sur la donne. Nous sommes force. Si nous faisons accord, c'est deux personnes qui ont des accords pour faire accord. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas fait dans la société à la fois que nous d'accord, c'est amalgamer ces pétitions. Si nous avons même entente, si nous avons même passion, si nous avons même position avec un monde, nous n'avons pas signé un accord ensemble avec lui. Nous pensons que nous devons faire plus. Il faut que nous beaucoup plus pragmatiques dans l'approche nous pour nous montrer la société à ça nous peut faire. Parce que sinon, nous virons et nous avons deux bagages qui sont presque noyés dans le bateau. La transition rupture, nous avons le bateau qui est presque noyé. Nous avons entente haïtien avec haïtien, nous avons le bateau qui est presque noyé. À cause, pas de dimension politique pour ça. À cause, manque de leadership pour ça. À cause, depuis que ce n'est pas moins pas bon, nous-mêmes nous sommes victimes de ça tout. Parce qu'il y a des gens qui ont marché dit dans la négociation avec Jovenel Moïse, nous ne sommes pas d'accord avec Jovenel Moïse. Mais nous-mêmes, nous sommes avec Jovenel Moïse dans la rencontre de personnel avec lui. Nous disons que Jovenel Moïse, nous avons une constitution. Nous avons un référendum parce que nos sociétés qui ont évolué, il faut que l'on change, il faut que nous changions. Mais si on change nos habits et technologies, nous ne pouvons pas décider de faire ça. Il faut qu'il y ait une loi pour ça qui pour régulariser. Mais nous avons dit qu'il faut que ça fasse un consensus, il faut que ça fasse un compromis, il faut que ça fasse avec lucidité. Je dis à nous avons toujours gagné même approche ça. Contre toute idée, quel que soit premier ministre, ministre qui est là avec la constitution, référendum, président qui commence ensemble avec lui, pour penser le fait qu'on vient ensemble avec lui, là, nous allons écouter comme ça, nous croiser pour être nous. Non. Nous croyons que le gouvernement qui a assez légitimité pour travailler sur la constitution, ça, que nous-mêmes nous apprécions, que nous respectons, il n'y a pas assez d'autorité, il n'y a pas assez de leadership, et bien nous-mêmes nous ne sommes pas complices, nous avons veillé parce que nous croyons que ça a fait plus, il y a beaucoup de pays, mais il faut que la société civile beaucoup plus engagée, parce que nous-mêmes nous ne sommes pas complices, nous toujours dit. Nous prêts pour quelle que soit décision qu'a soutien de pays. Parce que nous te connaissons déjà, un groupe de monde qui a marché manger nous, un groupe de monde qui a attaqué nous. Nous avons fait des bagages sur nous, vous voyez des jeunes attaquer nous, dit tout ce qu'on est, pas connaît sur nous, mais vous n'avez pas de dossier. Nous dit des bagages, vous n'avez pas de mais je dis à vous-même, vous avez un dossier. Ça veut dire qui ça? En d'autres termes, c'est parce que c'est nous, parce que c'est jeunes garçons, c'est parce que c'est jeunes femmes. Ça veut montrer nous, jour une jeune femme. Un jeune garçon qui n'a mis journaliste à tout à fait micro à l'idée de faire politique, c'est ça qui a privé le tout. Parce que la société, le système n'a conçu un groupe de monde, il y a des gens qui ont les ayants droit. C'est le système qui a décidé. Pour qui monde, c'est le cas rencontré. Les gens qui ont voulu, et qui ont audace, qui ont astuce, pour dire que vous êtes bien avec nous depuis 10 ans, depuis 30 ans, depuis dans le kindergarten, nous-mêmes nous parlons de ça. Et bien nous ne sommes pas complices. Nous te prenons pile frappe pour ça. Et nous-mêmes nous croyons que je ne veux dire, nous continuons à participation. Dans toute démarche qui visait. Permettre que le pays a sorti. Mais il faut le clair, il faut le préciser, il faut que ce n'est pas démagogique, il faut que tout acteur dise nous clair. Il ne faut pas aller nous acheter avec un monde qui est un président de notre poche, qui est un tout parfait de notre poche, sans le même dire nous. Je dis à ça, nous regardons là, l'opinion a quitté nous avec la transition. Nous presque perdu la forme de transition. C'est dans l'élection, comme en Haïti. Nous ne connaissons pas l'université, nous ne connaissons pas la faculté, même science politique, là, nous ne connaissons pas la donne, nous faisons tout le bagage par routine.
fait venir le dia nous pas rendre nous compte que l'opinion si n'a fonction d'âge yo presque ouais pour chercher élection pour faire parce que chaque monde ça yo yo pas chambre parmi ton président même si Jovenel Moïse qui était pouvoir depuis 2019 yo pas chambre parmi ton président. Nous même nous féliciter la presse, nous remercier la presse qui était qui présent ensemble avec nous la matin. C'est une bonne opportunité pour nous faire voir nous passer. Nous remercions toutes les jeunes femmes, les jeunes garçons qui prennent la bataille. Et nous ne sommes pas jamais déçus. Nous avons toujours été collés ensemble avec eux pour informer eux. Pour nous dire que ça n'a pas fait dans la société pour nous permettre de bataille à avancer. Bien sûr. Pour qui ça tout ça n'a fait et nous toujours mettre blanc là-dedans. Est-ce que c'est parce que les dirigeants n'ont pas une capacité qui cause ces blancs à demander pour qu'ils viennent mener une enquête sur le mot juvenil? Pablier, crime, ce qui fait toujours Jovenel Moïse, c'est un crime transnational. Il ne faut pas comparer avec aucun crime qui fait là. Puis un crime transnational, où il y a des étrangers, il prépare sur des sols étrangers, où il y a un ensemble d'acteurs qui sont impliqués là-dedans, même si nous-mêmes, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas que mon ministre et un juge de paix qui est sous dossier, un juge d'instruction sous dossier. Parce que nous croyons que l'institution, même si abracadabra, c'est nous bien. Même si on a des problèmes, c'est nous bien. Mais nous croyons que le crime s'est passé, la justice va dire assez. C'est tout. D'ailleurs, nous-mêmes, dans la presse, nous avons vu que combien de temps nous prenons pour nous juger si nous juge pour travailler sur le dossier. Donc, qui moyen juge ça pour travailler sur un dossier comme ça? Un dossier, un crime transnational comme ça. Il va dire assez moyen. Mais nous croyons que. Il y a une compilation entre ça enquêté l'ONU a pu faire, ensemble avec ça, qui a pris avec la justice, et puis la justice même a pu faire continuité, pour arrêter tout le monde de sentir coupable dans le crime là, pour punir sévèrement, et pour qu'il y ait des bagages sur tout, pour libérer, parce que nous ne sommes pas dans une société tout le temps, pour que la justice qui a dit des bagages sur nous, et puis nous ne sommes pas dire que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est ça nous-mêmes nous croyons. Son question de principe liée. Il ne va pas aller au-delà parce que Jovenel Moïse, c'est lui qui est victime de pays. Moi, je vais choisir des amis personnellement. Native, pour ensemble de monde qui mourit en deux pays. C'est des monde, je ne veux dire, qui ont un gros impact physique sur moi, sur la vie, nous soit la vie, même nous-mêmes qui sommes confrères là. Nous avons demandé justice pour eux. Et même si Jovenel Moïse a mouru, ça tue l'État toujours là. Une mini-justice qui était là, les gens qui mourir là. Et comment dire, directeur de la police qui était là. On ensemble, ministre intérieur, tout là. Ça veut dire, nous ne pouvons pas empêcher aucun groupe dans la société civile. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas complices. Nous ne pouvons pas faire le devoir pour nous dire que les gens qui ont mis d'orval, pas de justice, pas d'avancement fait pour eux. Non, c'est nous-mêmes avec tout le monde. Mais sauf que le crime qui fait toujours Jovenel Moïse, son président en fonction, son président qui a dirigé le pays, de fait, qui a dit mandat défini, qui a dit mandat pour finir. Mais nous-mêmes, nous croyons que si ça parle de fait, quel que soit le monde qui a supporté là, et puis il vient d'en parler, premier bagage à mettre dans la tête, il déploie les câbles, il fait complot là en Amérique latine, là aussi dans le Caraïbe là pour venir assassiner, et il pense que c'est son mauvais procédé, il faut qu'on parle là.